madame. Bonne journée. Qu'est-ce qui t'arrive? Fatigue? Je suis usé, j'en peux plus. L'étalage, le gamin. Marceau? Ouais, patron. Dieu que tu finisses ça, il faut que je te parle. T'es en retard. T'es où? Je suis passé voir mon agent. Il fallait que je pointe. Je pourrais pas y aller demain, mon patron veut me voir à 7h. Je vais signer un CDI, tu sais. Je vais être libre. Tu croyais quoi? Je croyais rien. Je suis inquiet parfois, c'est tout. Bah t'as plus besoin d'être inquiet. Ah oui, carrément. On fait quoi? Ça. Bon, évidemment, il y a quelques travaux. Mais enfin, elle est dans mes moyens. Et puis, je me suis dit que dès que tu pourras avoir quelques jours, on pourrait peut-être prendre le train puis aller la voir. Elle est belle. C'est grave. Ce qu'on m'a dit là, c'est grave. Oui, votre père a fait un accident vasculaire cérébral. Voilà. Et dans son cas, le pronostic vital est engagé. Mais... il va s'en sortir. On peut pas se prononcer avant 48 heures. Je suis désolée. Je repasserai. Rester. Je passerai demain, avant le travail et après. D'accord? Bon. Je serai resté toute la nuit, tu sais. Repose-toi. J'aurais besoin de 2 jours. 2 jours de permission d'éloignement. Mon père est dans un sale état et il voudrait voir la mer. Vous voulez 2 jours pour aller voir la mer? Vous croyez qu'on est une agence de voyage?
Mais avec mon truc à la cheville, vous savez où je suis. Puis la Normandie, c'est pas loin. Au vu de votre dossier, ce permis me semble un peu déplacé. Je vous rappelle que vous êtes en plein de période de mise à l'épreuve. Écoutez, j'ai été exemplaire pendant des mois. J'ai jamais loupé un rendez-vous, ni avec le juge, ni avec vous. Puis, je fais du bon boulot, je vais avoir un CDI. Eh bien, raison de plus pour pas s'absenter de ton travail. Mais je vous demande juste 2 jours. C'est pour quand? Demain. Demain? Oui. Enfin, au mieux. Ou d'ici la fin de la semaine. Ah non, je peux rien faire. Mais vous connaissez la procédure, monsieur Dorma. Il faut nous prévenir au moins 3 semaines à l'avance pour toute requête de ce type. Vous allez remplir cette imprimée... Mais je vous parle d'humanité, là! Je vous parle pas de procédure! Vous serez traité comme tout le monde. Il voudrait voir la mer. Et cette maison. On va étudier le dossier. Maintenant, retournez travailler. Putain, mais mon père va crever dans cet hôpital glauque et vous en avez rien à foutre! Il voulait juste voir la mer une dernière fois. C'est ridicule. Non, c'est vous qui êtes ridicule de vous emporter comme ça. Vous avez fait des conneries, maintenant vous les assumez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Votre père s'est mis en insuffisance rénale. Ce qu'on sait désormais, c'est qu'il n'ira pas mieux, c'est sûr. Attendez, comment ça, pas mieux? Écoutez, pas mieux... Comment ça, pas mieux? Répondez-moi! Écoutez, monsieur, on fait tout ce qu'on... Putain, mais t'es tout bim, vous, merde! Lâchez-moi, monsieur! À l'hosto avec mon père. C'est pas de rigueur après toi, t'es en retard, t'es pas prévenu. Je te couvre, mais là ça craint. Marceau, t'es là? Ouais. Écoute, je peux pas venir au taf aujourd'hui. Je dois me barrer. Te barrer? T'es sérieux? Tu veux aller où? Thank you.